France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Recettes, produits, astuces et bons goûts. On partage nos envies. Et quel est le menu ce matin, Emmanuel Bordeaux? Du bio avec des bons légumes et notamment des betteraves, mais aussi des fromages et la découverte aussi du travail de maraîcher aujourd'hui. Légumes et saveurs dans l'assiette, tout un programme qu'on va vous présenter avec nos invités. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ils sont venus, ils sont tous là, ils sont trois, ils se connaissent bien. Dominique Bourneuf, Loïc Lamy, la petite auberge de Malicorne. Loïc, bonjour. Le chef, Dominique le patron, bonjour. Bonjour. Et puis vous nous avez amené un maraîcher avec qui vous travaillez régulièrement. C'est la première fois qu'on le reçoit dans cette émission. On est très content, Emmanuel, de découvrir de nouveaux producteurs aussi. Il est à Cromières, c'est Alain Panlou. Bonjour Alain. Bonjour. Vous travaillez en bio et c'est portes ouvertes dans le cadre du printemps bio chez vous. Samedi prochain, je disais qu'il va faire beau, c'était pas juste pour vous faire plaisir, c'est vraiment les prévisions de Météo France, c'est vrai que c'est quand même important. Ça serait sympa qu'on ait un petit peu de soleil, même si vos légumes ont besoin de pluie, évidemment, tout au long de l'année. Alain Panlou, vous avez amené quoi, il y a quoi devant? Parce qu'on peut nous voir, je crois, aujourd'hui en plus en direct sur Facebook. Oui, on est actuellement, voilà. Connectez-vous sur la page Facebook exact, de France marche, Bleu Maine. Ça fonctionne. Et ça fonctionne, nous dit Michel à la technique. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Donc là, on a un pot de jeunes plants de thé. Du thé. Alors le thé, il se consomme, c'est un thé annuel. Il se consomme comme on ferait du thé habituellement, en frais, mais aussi en sec. Il a plusieurs avantages, notamment celui de repousser la pyrite du chou quand on l'associe avec le chou. D'accord. Ça évite les traitements insecticides. Et puis ici, j'ai d'autres feuilles, c'est des feuilles que Loïc utilise souvent, des feuilles de moutarde d'Osaka, qui paraissent banales comme ça, mais elles ont un effet retard qui est assez impressionnant. Et ça je vous garantis que ça envoie vraiment. Ça envoie bien, ça Loïc, envoie vous confirmez? Oui. Alors, Alain m'a fait goûter une feuille de thé tout à l'heure qui avait goût de citronnelle, hein, très très fort. Et j'ai pas osé du coup lui proposer un thé de la machine parce qu'il en voulait. Ah bah non, oui. C'est affreux, le thé à la menthe de la machine distributeur de France Bleu Maine, c'est pas possible. Ce thé, c'est une plante annuelle parce que le thé, c'est une plante vivace normalement. Voilà, tout à fait. C'est... Le thé, à sa reste, c'est une sorte de buisson, puis après on vient collecter les feuilles chaque année. Sinon, oui. Mais que là, voilà, on peut cultiver ça sous nos latitudes en plus. Voilà, on a pas besoin d'être en altitude, ni avoir un temps plutôt chaud, hein, généralement, quand même pour le frais et chaud pour le thé. Il a un autre avantage aussi, c'est que la floraison arrive souvent au mois d'août, et comme nous avons sur le jardin des abeilles, elle se rue dessus, parce que c'est une fleur bleue, on penserait voir des champs de lavande, quoi. C'est vraiment magnifique. D'accord. Vous avez quoi en ce moment? Alors, je sais pas si c'est en pleine terre, c'est en plein champ ou en serre. Ça va piquer. On a un petit peu de serre, on a essentiellement du plein champ, on a beaucoup de choses de mise en place, on va commencer à avoir là des fèves, du petit pois, des betteraves, des carottes. Avec du retard, monsieur Panlou, parce voilà. Que là, on est début juin pratiquement. Mmh. Normalement, on a 15 jours, 3 semaines, hein. Voilà, tout à fait. Vis-à-vis de l'année dernière, on a 15 jours, 3 semaines de retard. Bon, les printemps deviennent assez difficiles à gérer parce que c'est des températures en dents de scie et c'est pas toujours évident pour la végétation. Et une petite bête, regardez, ça c'est bon signe, ça. Une petite chenille là sur votre feuille. J'ai voilà. Goûté, ça commence à piquer effectivement tout doucement. Loïc me regarde en disant, allez-y, goûtez. Je crois que Alain Panlou est devenu végétarien. D'accord. C'était important de signaler. C'était le moment. Ouais, non, mais c'est parfait. Ça a créé un léger froid dans voilà. Le studio. Non, mais il fallait mais le dire, je pense. D'accord. Vous avez le droit, effectivement, d'être végétarien. Après, bon. En revoit, je vois le chef Loïc. Ah oui, à cause de la bête. D'accord, faut pas manger la bête. Qui boit les paroles d'Alain Panlou. Vous êtes admiratif de son travail, ça se voit tout de suite, ça, monsieur Loïc. Oui, parce qu'en fin de compte, il faut la même. Les mêmes qualités que pour la cuisine, il faut du temps. Mmh. C'est ça. Et de la patience pour faire les choses. Et de l'observation. On l'aperçoit voilà. Déjà dans les premiers mots que vous nous avez dit, monsieur Panlou. Voilà la différence entre le conventionnel et le bio aussi. Et ça peut expliquer de temps en temps un léger surcoût au niveau des légumes. Il faut le dire, voilà. Mais bon, quand on regarde bien avec les qualités nutritionnelles des légumes, on en mange peut-être moins, ça se conserve un peu mieux et on arrive à peu près à la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma théorie? Tout à fait. Disons qu'il faut laisser le temps aux légumes. C'est vrai que nous, on a des pratiques agricoles qui sont certainement différentes
de nos collègues, même en bio. Mmh. Hein, l'utopie d'aujourd'hui sera sûrement la réalité de demain. Mais si vous voulez, on est parti d'un sol complètement stérile et aujourd'hui, on a rétabli une certaine fertilité. Et en laissant le temps au temps, les légumes prennent toutes les saveurs, tous les parfums, les éléments qu'il leur faut pour se développer correctement. Et en observant bien, on s'aperçoit que finalement, la nature est maître en son lieu. Et voilà. Du coup, Elle nous le rend bien aussi. Voilà. Elle nous le rend quand on lui fait du mal, mais quand on lui fait du bien, généralement, elle nous le rend. Tout ça va se retrouver dans l'assiette de la petite auberge de Malicorne samedi prochain. Journée spéciale, portes ouvertes avec beaucoup de choses, des animations, découvertes évidemment de votre exploitation, Monsieur Panlou. Et il y aura même le trio angevin Mimi Rose. Imaginez un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir. On vous reparle de tout ça. Ça sera au restaurant, en la petite auberge. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Vous nous faites des effets de salade, Emmanuel, oui, de feuilles de moutarde. Dire, voilà, vous nous envoyez sur la page Facebook. Qu'est-ce que j'ai autour de mon casque? Je l'ai dit, c'est pas grave. Voilà, on n'a pas entendu. C'est pas grave. On peut nous voir maintenant en direct aujourd'hui. Ça, c'est très important de le signaler. Dominique Bourneuf, je vous vois effectivement en direct sur Facebook. Emmanuel a un morceau de végétal, on va dire, qui dépasse de son casque. Dites-nous ce que c'est si vous l'avez deviné. 02 43 29 10 10. Légumes et saveurs dans l'assiette, portes ouvertes au Clovert à Cromières. Le Clovert, c'est une exploitation maraîchère. C'est aussi une AMAP. Monsieur Panlou. Oui, c'est fait. On a constitué la première AMAP de la Sarthe en 2004. Et donc, ça s'est développé au fil des années. Aujourd'hui, on compte peut-être une bonne quinzaine, même plus, de maraîchers qui sont en Sarthe grâce aux AMAP. Quoi. Voilà. C'est aussi l'avenir un peu... une autre forme d'agriculture aussi. Tout à fait. On devait vous prendre un peu pour des fous en 2004, certainement, en disant ça marchera pas. Exactement. C'était une mode, et donc du coup, on a tenu bon grâce à la MAP. C'est vraiment un réel partage des récoltes, de savoir, de soutien, moral, parce que il y a des périodes où c'est quand même relativement dur. Notamment au niveau des heures, donc du coup c'est bien d'avoir un petit coup de main de temps en temps. Et tout ça, ça contribue à faire avancer les choses. Voilà, l'apprentissage des saisons aussi, parce que en hiver, y a beaucoup plus de pommes de terre qu'à une autre période de l'année, mais faut s'y habituer, quoi. Voilà. Et alors, à la petite auberge, vous suivez forcément donc la saisonnalité aussi avec les légumes d'Alain Panlou. Oui, tout à fait. Donc l'hiver, on travaille beaucoup plus de racines, c'est-à-dire le panais, des carottes anciennes, des choses comme ça. Partons sur la betterave ce matin, Emmanuel. Voilà, vous avez des petites betteraves nouvelles, là. Ça commence à arriver ou pas? Oui, ça commence. Elles vont être quasiment prêtes pour samedi. D'accord. Donc, ces betteraves... Ça va être un petit peu elles juste, se préparent, mais... les betteraves, là. Elles commencent à mettre leur costume. C'est, hein, pour... c'est la classique, c'est la ronde. C'est une classique, ronde. Bon, il n'y a pas de choses d'extraordinaire à dire dessus, sauf qu'on fait des choses... Voilà. Magnifique. Loïc sait très bien les sublimer dans son restaurant avec Dominique. Et puis, après, il y a plein de recettes. En fait, on essaie de valoriser tout ça au maximum. On fait des spaghettis de betterave. D'accord. Très, très agréable. J'aime bien comme il vous dit ça. Vous les cuisez, du coup Non, cru. Cru, juste comme ça, cru. On a acheté une machine japonaise pour les tailler. Une machine japonaise. Oui. D'accord. La taille légumes japonaise, ça s'appelle. Et pour avoir vraiment le fil, le fil qui en fait longueur. Un mètre de long, quoi. Ça fait des spaghettis d'un mètre de long, quoi. D'accord. Et c'est circulaire, ça fait un petit tube. Voilà, différent de la betterave râpée, évidemment. Et ça donne du volume sur les assiettes. Ouais, c'est joli, en et plus. Et un autre goût, j'imagine. Salade de fromage de chèvre panée à la chapelure de betterave rouge. Alors là, cette betterave rouge, vous n'allez pas prendre la nouvelle, là. Non, on va pas prendre la nouvelle. J'ai pris celle que j'avais au mois de janvier et février. Donc, en fin de compte, on les fait déshydrater. On les passe au mixeur. Donc, ça fait une poudre tamisée. Et on rajoute cette poudre dans la chapelure pour que ça donne du rouge au niveau de la chapelure. Ah oui, c'est pour la couleur, d'accord, surtout là qu'on va l'utiliser. Il y a quand même le rouge. Ah ouais, parce que celles de l'hiver, elles ont beaucoup moins d'eau. Donc ils ont des goûts prononcés beaucoup plus forts. Un peu plus terreux. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Moi, c'est ce que je recherche sur la betterave. Je trouve que c'est vraiment le goût de la terre. Ça, c'est ça qui est... bien sûr. Oui. Ouais, mais c'est souvent ce que les gens n'aiment pas, malheureusement. Quand ils n'aiment pas la betterave, effectivement. On a un petit coup de fil de Jean qui est à Monceau-les-Leux, c'est ça le nom de la commune Monceau-les-Leux.
c'est en Picardie. Bonjour Jean. Bonjour messieurs dames. C'est notre auditeur Picard. Mais oui, effectivement, qui nous suit alors sur internet, puis avec Facebook maintenant, vous pouvez même nous voir en direct, Jean, hein, aussi loin que vous soyez. Donc c'est parfait. Mais vous savez l'ordinateur. C'est pas votre truc. Pas trop. Bah quand même, vous nous écoutez par internet, Jean. Oui, mais c'est pas pareil, vous savez, c'est la radio quand même. Vous voulez continuer à nous imaginer plus beaux que nous ne le sommes. Voilà. Vous avez bien raison, c'est une très bonne chose. Non, ça m'arrive de regarder, mais bon, c'est plutôt les enfants, l'ordinateur. Sinon, vous avez une recette, justement, à base de betteraves à nous proposer. Eh ben oui, donc des betteraves rouges. Il faut pas qu'elles soient trop grosses. Et la bonne betterave rouge, vous savez que vous faites cuire dans votre cocotte, dans la cocotte. Et puis, ben, il y a un peu le goût est relativement encore, on sent un petit peu le goût de la terre quand même, hein, c'est justement pour ça. Et puis, vous faites vos 3-4 betteraves que vous coupez en petits morceaux, en cubes. Vous prenez également quelques feuilles d'épinards, vous savez, des premières petites pousses d'épinards. Alors là, vous mettez vos pousses d'épinards, vous faites dans un saladier, vous mettez de l'eau. Vous mettez 2-3 glaçons dans cette eau, qui est déjà fraîche quand même, et vous plongez vos épinards dedans. Et puis bah, vous les essorez très vite pour qu'ils soient complètement secs. Et là, vous allez faire votre vinaigrette, vous allez mélanger donc les betteraves rouges avec les feuilles d'épinards. Vous allez mettre de l'huile de pépins de raisin, parce qu'elle est neutre au goût, justement, c'est son avantage. Vous faites rissoler. Donc, vous prenez une petite cuisse de confit de canard que vous savez, vous enlevez les fibres. Vous coupez pas, simplement, vous avec votre fourchette. On effiloche. Vous les effilochez, vous rajoutez tout ça dans votre salade. Donc, alors, les épinards, la betterave rouge, les oignons et l'échalote que vous avez fait rissoler avec le confit que vous avez fait effilocher. Ah oui. Et vous rajoutez par-dessus tout ça, avec votre huile de pépins de raisin, du vinaigre de framboise. D'accord, ça va être très sympa. Merci pour cette recette, Jean. Merci beaucoup. Jean, d'autres recettes à venir sur France Bleu Maine. Sympa de partager le live en direct, on nous dit sur Facebook. Et Michael nous dit un concombre, je crois. Il répond à la question qu'est-ce qu'Emmanuel Bordeaux avait sur l'oreille. Ce n'est pas un concombre. Voilà, on en a parlé au début de l'émission, c'est pas une plante qu'on trouve habituellement. Continuez de nous pour découvrir ce végétal. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec Dominique Bourneuf, Loïc Lamy, Alain Panlou. On est à la petite auberge de Malicorne. On est aussi sur la map du Clos Vert, c'est à Cromières. Vous êtes maraîcher bio, Alain, et vous ouvrez vos portes dans le cadre du printemps bio. Samedi prochain, avec beaucoup de choses sur l'exploitation. Et puis le repas le soir au restaurant La Petite Auberge, un repas auquel on peut s'inscrire, parce que vous aimez bien faire des repas vraiment spécifiques. Hein. Ça se passe ce jour-là et pas ailleurs, donc il ne faut pas louper le coche. Donc là, il reste quelques places, quelques couverts. Il reste quelques places, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, comme il va faire beau, donc peut-être qu'on pourra le faire en terrasse. Ah, ça va être vraiment très très sympa. Ouais, Dominique a l'air vraiment d'aller dans votre sens. Dominique, il n'a pas encore sorti les parasols, apparemment. Non, mais je vous explique comment ça fonctionne un restaurant. Parce que Loïc, lui, il est en cuisine. Sauf que Dominique, quand il est à la terrasse, eh ben, ça lui fait 10 fois plus de boulot, oui, ça. C'est ça. Hein, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a aussi, un petit peu de musique qui va agrémenter la soirée. Ah oui, Mimi Rose. Donc voilà, ils sont trois. Il leur faut un petit peu de place. Et il faut vraiment, alors faut voir l'acoustique et il faut voir aussi la place qui est nécessaire. D'accord. Pourquoi pas à l'extérieur, mais il faut que ce soit bien calé. En tout cas, ce sera bon ce qu'il va y avoir dans les assiettes. Loïc, salade de fromage de chèvre panée à la chapelure de betterave rouge. On a déjà parlé un peu de cette chapelure. Je veux le dérouler, moi, de cette recette qu'on pourra déguster. Ça fait partie de l'entrée. C'est l'entrée du menu de samedi soir. Hein. Oui, donc c'est l'entrée. Donc en fin de compte, il faut du chèvre. Donc je prends le chèvre chez Anne Mèche. Qui fait les marchés au Mans, donc il doit faire Pontlieu, le Bâtisse et puis les Jacobins, je crois. Que nous allons recevoir prochainement dans cette émission. C'est prévu. Il devait venir vendredi, mais qui était malade. Voilà, il sait tout. Exact. C'est exact. Voilà, exact. Donc voilà. Donc en fin de compte, il faut de la betterave rouge séchée, de la chapelure, œufs, farine, enfin une chapelure pour classique. Et en fin de compte, les chèvres, il faut les couper en cubes et les congeler au départ. Ah, d'accord. Pour pouvoir les paner, parce qu'il faut faire l'opération 3 fois. Donc en fait, et après, quand on peut soit les poêler ou soit les frire,
poêlé, c'est meilleur que frit. Et quand vous coupez votre le chèvre pané, normalement, il doit couler au milieu. Oh là là, ça doit être bon, ça. Ça va être superbe. Voilà. Avec cette couleur rouge de la betterave. Couleur rouge de la Donc, betterave. Alors, vous dites trois fois. On commence par quoi? On trempe dans l'œuf. Farine. Non, d'abord farine. Trempe dans la farine. Dans l'œuf. Et la chapelure avec la betterave rouge. D'accord. Mélanger. On remet au frigo. Au frigo. Pendant 20 minutes. Et on recommence. Et on recommence. On fait ça trois fois. Farine, œuf, chapelure. Voilà. Et on remet au frigo. Et on remet au frigo à chaque fois. 20 minutes. 20 minutes, ouais, pour que ça prenne bien. Et donc faut préparer un peu à l'avance, quoi. D'accord. Donc et après on prend moi souvent la salade, et je mets la moutarde d'Osaka. Voilà. Et la moutarde de Chine parce que j'aime bien, je trouve que ça c'est remonté. Et la salade de, je sais plus, j'ai marqué la Stilio. Stilia ou Stilio. Je me rappelle plus. C'est bien, il y a le maraîcher à côté. C'est super. Alors essayez de déchiffrer. C'est la Stilia. Stilia. Alors c'est quoi cette plante? Non, c'est pas la Stilia. Pendant que vous cherchez, j'ai un petit mot sur Facebook. Sylvain qui nous dit c'est une feuille de thé qu'Emmanuel a. Non, c'est pas une feuille de thé. On vient de redire le nom de la feuille. Exactement. C'est un rapport avec la chanson qui est passée en début d'émission. D'accord. Et puis c'est un rapport aussi avec le Japon. Le Japon. C'est une ville du Japon. Je vous donne la moitié de la réponse, là, quand même. Exactement. Bon, alors c'est quoi cette salade? Est-ce que vous avez la réponse? C'est une salade qui est légèrement croquante. Ah non, c'est pas... Dans le micro, Alain, vous pouvez c'est le faire. Styliste. Styliste, voilà. Ça y est, ouais, alors, ça me on a trouvé l'ingrédient. C'est en fait une salade, une batavia type iceberg. D'accord. Qui est très paumée, très croquante et en plus un goût sucré, mais c'est super bon. Et oui, c'est ça, parce que vous travaillez en fonction des légumes d'Alain. Donc vous dites le nom. Styliste. Styliste, la salade styliste. Donc voilà, ça fait encore du boulot à Dominique Bourneuf pour refaire entièrement les menus. Est-ce qu'il y a marqué styliste? Donc, moi, si j'arrive samedi soir là-bas, je dis je veux de la salade styliste, moi. Pas de la Stilia. Celui qui voit la coquille, ça serait bien. Hein, il gagne un repas gratuit. C'est moi qui l'ai vu, donc. C'est vrai. Bah, vous avez gagné un repas gratuit. Vous allez déguster ce que vous allez préparer, mon cher Loïc, c'est une bonne nouvelle. Alors on fait un petit effort aussi sur le menu parce que c'est vrai que il y a une belle programmation donc chez Alain. Donc si on cite le programme donc le samedi 4 juin de 14h à 19h chez Alain avec donc différentes animations. Ensuite le repas à la petite auberge, c'est vrai qu'on fait un petit effort aussi sur le prix pour que l'ensemble des visiteurs puissent accéder au ce menu. Donc on aura un menu à 28€ tout compris. 20 compris Emmanuel. 20 compris. Ah oui, voilà, ça vaut le coup. Et on fait un petit effort aussi sur le vin. On va mettre aussi un vin bio pour l'occasion, pour agrémenter donc l'ensemble du menu avec l'entrée donc que Loïc vient d'évoquer, un petit poisson avec les légumes d'Alain, et puis un petit dessert avec certainement le lait de Bruno Briffaut, et puis un petit siphon de rhubarbe. Voilà. On continue de parler tout ça dans quelques minutes. Recette d'Emmanuel Bordeaux également, et puis pour réserver pour cette soirée spéciale, il ne faut pas tarder. On vous donnera toutes les coordonnées. Mais bien sûr. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Et on est en direct sur Facebook, vous pouvez nous voir et vous nous laissez des petits messages. Il y a Zinedine Zidane qui nous a laissé un message. Nouredine, Zidane. Enfin, pardon, c'est Nouredine Zidane. Mais tout le monde le connaît apparemment, on lui fait un petit coucou. Il est journaliste sur France, le réseau Radio France et puis il vous a reconnu apparemment, Emmanuel Bordeaux. Dominique aussi, vous connaissez ce journaliste parce que vous écoutez différentes radios. Du groupe Radio France. Bien évidemment. Merci. Merci pour tout ça, vous continuez à nous laisser des petits messages. On essaie toujours de savoir ce qu'est la feuille que vous avez. Elle est où cette feuille? Elle commence à elle va défraîchir cette feuille. Si j'en mange, Alain, c'est piquant. Moi, j'en ai mangé tout à l'heure, ça pique un petit peu, en effet. Mais là, c'est pas les plus piquantes que vous puissiez avoir sur l'exploitation. La fin de saison, et donc les parfums s'atténuent, surtout qu'en plus, elle est dehors, donc du coup... Voilà, puis avec la chaleur du studio, elle commence à faire déjà la tête, malgré qu'elle a été cueillie ce matin, fraîchement cueillie. Bien, une petite recette, moi, de betterave toute simple. On va prendre des betteraves pas trop grosses, non cuites, parce qu'il faut aller aussi sur la betterave crue. Hein. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'avoir la betterave cuite. Alors cuite au four aussi, c'est génial. Ah oui, c'est délicieux. Donc essayez de les cuire maison, parce que je trouve que c'est souvent meilleur. Ah bah souvent, tu l'as dit, pardon. Ah, oui, c'est carrément pas la même chose. Vous les cuisez au four, hein?
Au four, j'ai déjà essayé. C'est vrai que ça donne une texture qui est vraiment intéressante. Voilà. Une fois qu'elles sont cuites, on va se faire une petite mousse. Je vous épate, hein, Dominique. Toute simple. On va mixer ces betteraves. S'il y a un peu trop de jus, vous l'enlevez. Généralement, quand elles sont cuites, ça va. Une demi-gousse d'ail. On va y mettre 3 belles cuillères à soupe de crème épaisse. On peut rajouter aussi un peu de ces oignons nouveaux là qui arrivent, qu'on va finement hacher et qu'on va mixer avec l'ensemble. On peut rajouter aussi, si vous n'avez pas la texture voulue, vous avez gardé un peu de jus de côté, éventuellement de betterave. Si c'est un peu trop liquide, ça dépend des betteraves, hein, voilà, ça dépend des cuissons. Eh bien, on peut rajouter un peu de pain qu'on a détrempé un peu avec du lait. Et ça, c'est d'une simplicité. Mixer tout dans le même blender, on met ça dans les petites verrines, on peut mettre quelques crevettes pour les accompagner. Et ça, voilà, ça c'est un grand classique de la cuisine. On le fait souvent pour les. On peut rajouter aussi du cassis ou de la framboise. Voilà, et puis après. Ou même un peu de menthe aussi. Et puis on peut créer aussi avec un peu de fromage de chèvre aussi. Hein, on peut mettre. Ah oui, ça fonctionne. Mixer bien. De toute façon, betterave, fromage de chèvre. Moi, ce que j'aime demander aux maraîchers, c'est comment ils les aiment, ces Exactement. Légumes. Comment vous aimez les manger, vous, beaux betteraves. Alors, les betteraves, et mon épouse qui a une recette qui est bien à elle, c'est qu'elle utilise, en fait, elle valorise les pelures de betteraves. Et ça, c'est déjà beaucoup plus. D'accord. Plus rare, en mode d'utilisation. Oui. Et elle fait un potage de pelure de betterave avec des pommes de terre, du sel, du poivre. Et on a le super l'ail. Goût de la betterave. Et alors, ça vous fait un potage tout rose pour les amoureux. Ah oui. C'est impeccable. mais je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. D'accord. Elle utilise aussi même les petites feuilles qu'il y a au-dessus de la betterave, là, les feuilles vertes, non? Ça peut se valoriser, mais les recettes sont plus. D'accord. Enfin, plus rare, quoi. Puis voilà. avec du bio, on peut y aller sur les pelures, on n'a aucun problème en plus, bien évidemment. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est de rajouter éventuellement ma petite mousse là, l'huile de noix. Moi, je trouve l'huile de noix avec la betterave, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il en pense, le chef Loïc? Oui, l'huile de noix, très bien. Mais Alain m'a fait découvrir une huile de colza bio qui vaut l'huile d'olive et l'huile de la Mayenne. D'accord. De chez Le Mercier, à Arconay. Et elle a un goût vraiment puissant. Ah oui, elle est très épaisse, elle est jaune. Enfin, du colza, quoi. D'accord. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On donnera les infos pratiques, évidemment, pour ne rien manquer des animations prévues du côté de Cremière et de Malicorne samedi prochain. Michael sur Facebook nous dit c'est une ortie. Non, ce n'est pas une ortie. Non, non, vous avez très peu de temps pour nous dire ce qu'est. C'est dans la recette de fromage de chef pané, là. Et je rappelle que vous gagnez donc le pichet, la carafe d'eau. Hein, oui, la carafe d'eau. Au repas de Malicorne, si vous découvrez. Au repas de Malicorne, avec de l'eau de Malicorne. Hein. La plante que nous vous avons présentée en début d'émission. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et vous nous suivez aussi sur Facebook en direct, les feuilles qu'Emmanuel Bordeaux agite depuis le début d'émission. Je donne d'abord la réponse sur Facebook de Fabrice qui nous propose une feuille de menthe. Non, ce n'est toujours pas ça. Et Annick qui est en direct avec nous au 02 43 29 10 10. Bonjour Annick. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre proposition Annick? De la moutarde. Vous avez gagné toute notre considération, ma chère Annick. C'était bien de. C'est bien déjà, Annick. C'est déjà quelque chose. Hein, oui, ça vous l'avait dit. Vous pouvez passer au 17 avenue Pierre Manès France pour une poignée de main aussi, Annick. On peut vous offrir ça aussi. Absolument, c'est gratuit. Tout à fait. Et la bise, et la bise, allez, la bise, Annick. Et la Est-ce bise. Que vous connaissez la petite auberge à Malicorne, Annick? Vous en avez déjà entendu parler peut-être? Oui, oui. Ouais. Sur France, bleu même. Eh ben oui, chez nous, hein, c'est souvent qu'ils viennent. Il faut y aller maintenant, Annick. Hein. Oui, c'est bien beau. Ça donne envie. Le menu, c'est gratos, vous avez dit. Non, Carbo, il a dit Carafe d'eau offerte, si jamais vous allez à la petite auberge. La carafe d'eau offerte, bon, ce qui est gratuit, en revanche, c'est la visite de votre exploitation, Alain, samedi, hein, à partir de 14h30. Tout à fait, la visite du jardin. Ça peut être une idée pour une idée de sortie, tout à fait, et de découverte aussi de la façon dont on peut travailler la terre. Vous disiez que vous ne labouriez plus du tout, Alain, ça c'est assez étonnant. Disons que moi j'ai suivi une formation agricole classique, et alors j'aime bien parler de cette anecdote pour la bonne raison que les corbeaux me suivaient quand je labourais. Eh oui. Les corbeaux, et donc les corbeaux, comme ils sont symboliquement reliés à la mort, aux oiseaux de mauvais augure, ils sont importants, ils sont indispensables, ils nous évitent bon nombre de maladies parce que c'est le charognard de chez nous. Eh oui. Ils sont des et messages. Donc ils se posent donc dans les sols morts où il y a plus de vie bactériologique, j'entends.
Et du coup, je me suis aperçu de ça et en fait, j'ai commencé à changer mes méthodes agricoles. Et aujourd'hui, bah, c'est un autre type de, d'oiseau qui vient, qui me suit, les mésanges bleus, les chardonnerets. Les oiseaux de la vie, pour ainsi dire. Voilà, c'est ça. Et bah, c'est une belle parole pour terminer cette émission. On réserve auprès de la petite auberge rapidement, hein, si on veut profiter du repas spécial avec vos produits, notamment Alain, samedi soir, avec ce menu à 28 euros. Et puis à partir de 14h30, on se rend au Clos Vert, à Cromières. Il y aura aussi du spectacle vivant, d'ailleurs, hein, que vous allez proposer. Puis vous allez discuter avec les visiteurs. Évidemment, apéritif gourmand à 18h. Il y aura aussi un goûter bio. Toutes les infos sont sur francebleu.fr. Merci Dominique. Merci messieurs. Merci Loïc. Merci Alain. Merci. Et à très bientôt. Bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Il y aura du chocolat à passion chocolat demain, Emmanuel. Voilà, avec un vainqueur de la Coupe de France des meilleurs apprentis chocolatiers. Il vient de la part des anges. Il va venir avec son patron, s'appelle Maxence. Oui, absolument. Et nous serons aussi avec Xavier Frénaud des étangs de Guibert à Neufchâtel en Saônois. Exactement, président des 19 bonnes tables sartoises. Ensemble, à partir de 10h sur France Bleu. À demain. France.